sérigraphie parce que vous sachiez qu'elle est apparue après la guerre de 40. C'est les Américains qui ont apporté cette technique et elle a disparu telle qu'on la pratiquait, elle a disparu dans les années 2000. Bien sûr, les tirages d'art, parce que la sérigraphie a également utilisé beaucoup de tirages d'art. Donc, je vais vous dire deux mots sur la Golf Marilyn d'Andy Warhol. C'est bizarre, elle est réalisée en bas. Vous avez le jaune des cheveux, le rond du visage, le bleu des yeux, le bleu du paraboliaire, qui est différent. Alors le fond a été réalisé en trois couleurs. Alors vous avez ici le point qui avait été fait à l'époque, c'est pas qu'il y ait de confiance, il fallait respecter l'œuvre originale. En sérigraphie, on peut imprimer tout support. Et on est arrivé à faire des travaux tout à fait remarquables. Hein. On a eu la chance de travailler pendant près de 15 ans avec le MoMA. L'auteur, ce sont les éditions du désastre. Les grands graphistes s'adressaient à la sérigraphie parce que ça leur permettait d'obtenir des choses qu'ils n'auraient pas pu forcément obtenir en offset. Ça, c'est un travail tout à fait étonnant. Parce qu'il faut prendre un certain recul pour pouvoir découvrir le visage. Alors également, une affiche relativement exceptionnelle, c'est l'exposition sur les Indes merveilleuses. Vous allez découvrir un vernis brillant. Sumo, le kabuki et le sumo. On vous a montré le kabuki, on ne pouvait pas vous montrer. Et là, c'est une affiche qui nous a valu une récompense internationale également. J'ai découvert une ville fantastique. Alors voilà, c'est donc une très belle aventure qui a démarré il y a 35 ans. Les premiers Capétiens que vous allez voir là, c'est en 1987. Et ça, c'est des affiches qui ont été faites pour le musée des Beaux-Arts. Une reproduction d'un pastel de Chardin. Et là, vous pourrez vous approcher et passer la main sur l'affiche. C'est en complète contradiction avec un pastel. Un pastel, il n'y a pas de relief. Et là, vous sentirez un relief. Ça a été exécuté avec des encres ultraviolettes qui ont la particularité de gonfler lorsqu'on les expose au rayonnement. Elles se polymérisent et on obtient relief. Donc c'est assez étonnant, vous verrez. Chaque année, la SPAI, la Screen Printing Association International, organisait dans chaque ville des États-Unis un salon où les sérigraphes du monde entier pouvaient participer à des concours dans différentes catégories. Donc les affiches pour l'Opéra Bastille, l'Opéra Comique, l'Opéra Garnier, le Grand Palais. Ça, vous verrez au bout de fil. C'est assez étonnant. Ce fameux poster qui a été offert au maire de New York, que là, vous allez découvrir. Le comité franco-américain, à l'époque, nous avait confié la réalisation des affiches officielles, l'affiche Liberté. L'effet du centenaire, c'était le 4 juillet. Et le 4 juillet à New York, c'est comme le 14 juillet en France, c'est l'indépendance d'Haïti. Et tenez-vous bien, il fallait que on appose le tampon le premier jour, le 4 juillet. On a fait ouvrir les postes américaines et on a fait travailler le personnel en heures supplémentaires. Il y a 50 ans, tout était fait à la main. Tout était fait à la main. Les enseignes, les publicités sur les pignons de maison, les calicots, les immatriculations de voitures étaient peintes à la main. C'était fait par des peintres en lettres, donc j'ai un métier de peintre décorateur, peintre en lettres. Et la sérigraphie, si vous voulez, a participé à l'évolution de l'affichage, et l'affichage a participé à l'évolution de la sérigraphie. La grande joie d'imprimer pour le musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et le musée des Beaux-Arts d'Orléans a été un de nos premiers clients. Vous avez également ici une sérigraphie de M. Monoury, qui est le mari de Catherine Monoury. Catherine Monoury, c'est la championne du monde de voltige. On a eu l'occasion de faire venir à Orléans et qui nous a fait faire quelques petits tours d'avion et on en a des souvenirs assez impérissables. On pouvait reporter des lettres sur un papier qui était ensuite photographié avec un bon photo, on faisait un montage sur des films, et ça nous permettait de créer des textes. Alors il y a eu après la photocomposition, évidemment nous avons aidé, hein.
Et donc ça permettait d'avoir des textes plus faits, qui étaient ensuite montés et insolés. Et là, c'est couleur par couleur, bien évidemment. Et là, la difficulté a été de reproduire les tons argent. Les tons argent, là, vous verrez, en contre-jour. D'ailleurs, les textes sont écrits en argent, vous voyez, en aluminium. Donc là, il a fallu respecter, évidemment, Je vous dirai deux mots sur l'aventure américaine qui a fait l'objet d'une conférence il y a 3-4 jours. Donc, on a voulu vous montrer une partie de ce qui a été réalisé pour le MoMA, le Musée d'Art de New York. Et puis, au centre de la collégiale, on a monté un petit atelier de sérigraphie. Vous pourrez non seulement assister, mais vous pourrez participer à un tirage. Allez, on y va. Il faut bien appuyer. Hein. Voilà, et tu t'arrêtes avant la fin. Voilà. Et ben voilà. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est vrai qu'il y a même la signature de Vincent. Est-ce que vous avez des questions ?